Amis vieux, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'aventure sur Moontail Blade avec le mode A World of Ice and Fire. Je viens tout juste, alors j'ai recruté 2-3 gars, et je viens tout juste de faire un tournoi là, et donc je suis en train de chercher une dame. Oh elle est mignonne. Ouais. Ah merde. Je peux vous donner quelques trous. Ah c'est une... Ah ouais? Ok. D'accord. Lady Alizan Bulou. D'accord. Écoute, si cette lady, je la croise dehors, on discutera. Toi, t'es moche. T'es moche. Non mais avec des moches là-haut. Mais non. Mais non mais sérieux. Allez celle-là mais. Allez. Mais j'engage pas si tu veux. Je lui dis juste que je lui dédie ma victoire et puis basta. Elles sont pas mal leurs armures ici, hein. On est à... On est où? On est dans The Reach. C'est là. Je pense que c'est The Reach. Tu veux voir un peu? Reach paysan. Troupe tri. Ah. Écoutez, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, stop, on retourne au boulot. Donc, ouais, j'ai cheaté hein, pour pouvoir me déplacer correctement sur la carte. Et donc, j'ai recruté Bronn. Donc, je vais le virer, il s'entend pas avec Lord, je sais plus quoi. Après, il y a Kiburn. Donc, lui, ça va être notre maître, j'espère. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Des blessures, premier secours, machin, tout ça, les grands classiques. Ah, super. Super, super, super. On a enfin un soigneur. Donc il a 8 de force, le coquinou. Ah, je suis trompé. Ouais. Et... Allez, tout de suite, t'as moins une gueule de médecin. Hein. Ouais. Docteur Queen, femme médecin, pas terrible, quoi. Au moins, il survivra peut-être un peu plus longtemps. Oh, ok. Allez, on va dans les... Ah, mais oui, c'est pour ça que j'ai fini par cheat. Mais oui, c'est parce que j'ai pas assez de... Ben oui. J'ai plus assez de place, donc voilà. Donc j'avais fait le sale gosse et j'avais cheaté comme un sale gosse. C'est bon, je me rappelle maintenant. Ok, allez, on retourne au boulot. Donc j'ai réussi à monter mes relations avec la garde de nuit. Je dois être à 11. Donc en leur donnant des... Il y a une... Attends. Dans quelle ville? Dans Frostfang? Il y a un tournoi dans Frostfang, c'est ça? Alors, attends, on va... Se promener dans les rues, il y a moyen ou pas? Bon, à cette heure-ci, il va peut-être pas vouloir me parler. Bah bon, après, j'ai quoi? J'ai 50 de renom, un truc comme ça? Avec 52 renom, il va m'envoyer chier. Bah déjà il est pas là. Bah peut-être que si. Ouais il est là quand même. Ça il est bien camouflé hein. Okay. Bon et donc on me dit qu'il y a une quête. Un tournoi ici. Alors Frostfang Camp, Stone Map. Oh, c'est trop loin, t'abuses. Non mais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça fait pas très. Hein.
des prisonniers. Alors, cavalier mercenaire, pétir. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de tournoi, en fait. Ou il n'a pas encore commencé. Alors, je vais aller au mur. Ah, j'ai toujours pas changé les traductions, bordel. Donc, apparemment, j'ai les prisonniers, donc dans ces cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les vendre genre mormon direct. 6000 stags et plus 2 de réputation avec la Night Watch. Ok. Bon. Du coup, je retourne à mes activités. Donc à côté de corps, on va aller se cartonner avec des gens. J'ai pas encore... Quoique, j'ai 136 hommes quand même. On peut peut-être commencer à foutre un peu la merde quand même. Hein. Quand même. C'est pas des troupes de fous non plus, je te l'accorde. Allez. Maintenant, on arrête de cheater, il y en a marre. 232, tu vois, c'est beaucoup. Hein. Il va pas manquer grand chose. Ah, attends. Caracteur. Statisticoute. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Non. Arrête! Ok. Bon, bah, je trouverai pas ce que je cherche. Ah, c'est là. 21 de charisme, ah ouais, quand même. J'ai déjà monté, en fait. Okay. 208 encore, c'est trop. Là, on a une auberge. Un fermier, il y aurait peut-être des trucs intéressants. Fermier. C'est juste une auberge, bah écoute, plutôt sympathique. Nice to meet you. Un vendeur de chevaux légendaire, peut-être. Ah non, je vois encore un fermier. On sait bien, ça fait toujours un pied à terre. Parti, il faut que je vire Ribald. Hop, j'envoie Ibald à la... pour me faire de la pub. Non, tu vois, vraiment, Bron, il s'engueule avec tout le monde, je sais pas pourquoi. Pas sympa de me faire ça. Ah merde, ah, je peux pas l'envoyer tout de suite parce que j'ai déjà envoyé Ibald. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moins. Moins 500. C'est trop, bordel, c'est trop. Dites-moi en plus. De garnison, c'est trop. Ici. 207. Ah, tout ça. Je dis que c'est trop. C'est jouable, hein. C'est jouable. Ah, ce sera jouable quand ils seront un peu moins débutants. Podrick Payne, ça va, ça a l'air d'aller, il s'engueule pas trop avec les gens. Ah, enfin. J'aime bien les Dornish Eevee Sperman. C'est des bons... des bons petits lanciers, quand même. Non, mais Duskendal, c'est quoi? C'est port réel, ça, non? Écoute, pour l'instant, les garnisons, elles sont pas folles. Hein. Elles sont pas folles. Allez, je me casse. Ça fait 10 000 fois que je le dis. Donc, on va aller autour de cohort. Hop. Voilà, emplacement habituel. Il est où le sceptre? Il y avait un...
Ah, j'aurais dû y aller. Ah bah d'accord. Ou je me convertis, ou je le pille. Y a pas aller dire bonjour. Ça n'existe pas, ça. D'accord. Everything has a price, even your life. Important d'avoir le jeu. Là, j'ai amené mes archers devant le pont. Ouais, je vise toujours comme un cul. Ah merde, ah tu vois, j'ai cru qu'elle est. Ah. Je pensais qu'il la mettrait celle-là. Celle-là, elle était pas mal non plus. Là, la cible vient de disparaître, donc c'est foutu. Bon, on est bien. Si je me faisais une arme, il faisait une armée de dornis. Et je me ferais bien une armée de tout, je vous jure, c'est chiant. J'aimerais tous vous faire plaisir et faire des armées de tout ce que vous demandez, mais c'est juste pas possible. Et puis si je fais un petit peu de tout, il va y avoir aucune unité graphique. Ça va être dégueulasse. Il faut graphiquement tout, tu sais, tout. Tu vois, t'as compris, hein? T'es pas con? Bon, alors. Non, oh, bah, Bron, tu vas dégager tout simplement. Xando qui fait chier maintenant. Tu n'avais pas l'impression de m'emmerder, non? Même pas un petit peu, vraiment. Parce que putain. Allez, descend. Alors, Riverland Cavalry, c'est pas mal. Ça, Alors, Bronn, on a dit Bronn, tu te casses. Ah ouais, mais merde. Ah bah attends, je peux peut-être l'envoyer. ouais, c'est là. Ah bah voilà. C'est quoi ça? The Storm Crow? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est encore une troupe de mercenaires, comme ceux qui m'avaient défoncé dans le Val. Pareil. Cool. Cool. Ouais, charge l'ennemi, hein, t'emmerde pas. On va pas faire ça, on va pas faire dans le détail. Non, mais en fait, ce qu'on va faire. Niveau roleplay machin tout ça entre guillemets background plutôt, je vais m'attaquer aux Dothraki je pense, parce que là on a les Dothraki Raiders, mais il y a des Dothraki, il y a une vraie faction de Dothraki, donc je pense que je vais leur péter la gueule. Après il va falloir que je m'attaque à Volantis. De toute façon on va régner sur Eros, c'est ça. Eros c'est là où il y a les 5 royaumes. Moi je vais en essayant de m'allier avec le feu. Parce que là on peut pas rester simplement sur une. J'ai un château, on peut pas appeler ça un royaume, on peut pas appeler ça.
vois ce que je veux dire. Bon. Si encore c'était une ville, peut-être que je pourrais... Mais là, non. Le Camel Rider, franchement, qu'est-ce... Y'a rien à foutre dans mon armée, ce machin là. Ça ressemble à rien. Même les Dorniens, ils ont pas de Camel Rider, ils ont des Dada, comme tout le monde. J'ai envie de te dire. Ok. Ouais. C'est pas de ma faute, franchement, c'est pas de ma faute. Je suis au fin fond du... Et ils me donnent des... Tu vois, c'est pas de ma faute. Tiger Claw que j'aime bien aussi. Je suis sûr que vous kiffez les Tiger. Alors... Podrick Payne, il reste. Hein, ouais. Podrick Payne, il a l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Ce qui est marrant, c'est que même si Gendry venait à s'engueuler avec mon maître, bah, du coup, Gendry dégagerait. Hein. C'est les priorités au maître. Les autres, on en a rien à foutre. Ah, épéiste. Enfin. Oh, bah, à part ça, ouais, ça je garde surtout. Sand Warrior, pas mal. Hein. Et franchement, ils sont, ouais, ils sont pas mal ceux-là. Ceux-là, tu me les vires. Et à la place, tu, les danseurs d'eau. Ah, vous faites chier, hein, merde. Je sais pas quoi faire. Ah non, mais au bout d'un moment, prout quoi. J'ai dit prout, ouais. Gendry s'entend bien avec Andy. Oh, 70, c'est pas mal. Ça. Ah. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi ça? Tiger Claw. Non mais je partirais bien sur The Reach. The Reach ou Mercenaire. Et voilà, comme ça c'est mes troupes à moi. Enfin, mais The Reach, il y a peut-être moyen que ça me plaise. Sauter sur le dos du cheval, je sais pas. Ah, l'archerie montée, c'est un métier. Hein. Je l'ai touché. De fou. Le cheval, c'est pas bon. Je pense que j'ai touché, mais je l'ai touché un peu. Alors. Ah bah ils sont contents. S'ils sont contents, c'est que la bagarre elle est finie, je crois. Alors, capture.
Et que... Et il monte pas de niveau, c'est con, je peux pas voir ce que ça donne. Regardez un peu. Franchement, la cavalerie, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air pas mal. Hop, je brûle tout ça pour l'or. Hein. Après, est-ce qu'on n'aurait pas... Ah, oui, je sais. Après ce record, je vais aller chercher un petit peu dans le... Comment ça s'appelle? Dans le lore de Game of Thrones. Je vais la regarder un petit peu. Quelle troupe serait potentiellement affiliée à l'or, vous voyez? Rider. C'est ça. Rich Rider. Donc sachant que Rlor, c'est une religion qui n'a foi que en Ezos. Okay, c'est ce qu'on a appris dans le jeu de rôle Game of Thrones que je vous fais un let's play. Rlor, c'est Ezos. Ils n'ont jamais réussi à s'installer en Westeros. Donc le siège de Rlor doit être ici. Après, à savoir, voilà, dans quelle ville, avec quelle troupe, ça, je sais pas. Le Tyroche, peut-être. Ah, Bravos, les danseurs d'eau, parce que, n'oublions pas, toujours pareil, Sadwick, là. Alistair Sadwick, il est prêtre de feu et, de base, danseur d'eau. Bravos. Sirio Forel, c'est un danseur d'eau. Ok, je réfléchis en même temps, c'est cool. On va faire le tour des auberges, il faut que je trouve un recruteur de la garde de nuit. Sinon, j'y retournerai contrôle-clic. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça j'aime pas ça. Je ne tolérerai pas de viol par mes hommes, c'est pas possible. Un de mes hommes a violé une paysanne, tu sais. Ça je punis. Ça ne passera pas. Voilà. Le guerrier Krug a plein des poèmes. Yeah. The water... Oh. Faire du 15 en moral parce que l'eau était croupie. Ok. Je sais pas si vous avez vu dans le log, mais. Ah! Un frère Randall, c'est quoi ça? Ah, mais tu fais chier, je sais pas lire. Bon, bah écoute, on va y aller à la main. Vous savez que j'aime pas ça, mais... C'est plutôt important. On va bientôt être alliés avec eux, j'espère. Bon, c'est cool, je peux donner mes esclaves à n'importe quel général de la Night Watch, et ça marche bien. Ok, Norvos... va faire un tour à Norvos. Est-ce que... On va regarder ça vite fait. Normalement, dans le descriptif de la ville, on a la religion. Non. Je vais voir si je trouve le guilde. Oh non, c'est trop lourd. Putain, elle est belle! Ouais. Oh, la ville est belle, hein, putain. Donc, ça doit être le garde de prison, je pense. Je vais regarder vite fait si je trouve le maître de guilde, histoire d'ouvrir un magasin ici.
Et je regarde son épée là. Joli, hein. Joli. Donc ouais, je partirais sur un délire hors-lore, conversion des terres et tout. Si, ça pourrait être sympa. C'est pas un maître de guild, ça. Ah, là-bas peut-être. Là, au pied du château, il y a un mec en robe. Ah. Putain. C'est le mode des gens difficiles, quoi. Putain, ils veulent jamais... Les soldats sont prêts à upgrade, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, Chaga, tu vas juste rentrer chez ta mère. Attends. Ma foi a changé ma relation avec certains patelins. Je sais pas s'il parle de mes villes ou de villes globales, tu vois. Ah, un tournoi se tiendra ici prochainement. Ah, super. Et bon, on y va. Comme ça, ça va nous permettre de faire un début d'histoire. En plus, j'ai appris des poèmes. Donc là, on pourrait repartir sur un délire. Je tombe amoureux d'une Dothraki. Tombe amoureux de la Dothraki. Son père veut pas. Je déclare la guerre, je me casse avec la bombe. Ça pourrait être sympa. Ouais. Ces tournois, franchement, ils sont ridicules. Je sais pas qui est avec qui. Là, je tape dans le vide. Hein. Je sais absolument pas qui je dois tuer. Crime sur vous-même. Comment pour le prochain tour. J'essaie de les repérer vite fait, mais... Oh, tiens, on va par là-bas. Le mieux c'est de serrer les fesses et puis d'attendre. Super. Alors... Oui... Je sais pas où voir... J'ai pas envie de faire tout le monde. Mais non! Ah, oh, t'es qu'une... Sérieux? Oh, le con. Merde, je suis pas allé à l'auberge, je crois. Taverne. Ah, si, j'étais déjà... Ok. Bon, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo. À la partager, bien sûr, hein, évidemment. Et puis, bah, revenir demain pour la suite. Bah... J'ai aidé un septon, j'espère que ça va pas foutre la merde avec Hurlor, quoi. Neutre... Bon, je sais pas comment voir la religion des gens. Ok, des bisous, à demain.